Good afternoon, dear friends. Buenas tardes, amigos y... Bonjour, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs les intervenants, chers collègues participants, que ce soit en salle ou connectés à distance. Merci d'être des nôtres sur le séminaire d'aujourd'hui consacré à l'intelligence artificielle et l'égalité hommes-femmes. C'est un plaisir d'être avec vous à l'inauguration de ce séminaire Intelligence artificielle et égalité des genres. C'est un plaisir de parler de ces questions en tant que socialiste et démocrate. Et il est important que les femmes puissent exercer leurs droits numériques. C'est un vrai plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. La situation et le rôle des femmes dans notre société est une priorité clé pour notre famille politique progressiste. L'on estime que 8 millions de spécialistes des technologies de l'information au sein de l'Union européenne ne comptent que 17% de femmes. L'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer les relations hommes-femmes. Seuls 22% de tous les professionnels sont des femmes dans le monde. Au sein de l'Union européenne, c'est 17%. Les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux du secteur numérique en Europe, en commençant par les étudiants, 32%, jusqu'aux positions académiques les plus élevées, 15%. L'indice égalité de genre continue de montrer des inégalités constantes avec une progression seulement marginale. Ce qui est tout à fait inacceptable, c'est que les femmes dans ce secteur touchent 20% de moins que leurs collègues hommes. Combler cette fracture de genre et assurer que les femmes puissent exercer leurs droits numériques est d'une importance considérable à nos yeux. Une révolution équitable et numérique, équitable et juste, ne peut être possible sans une transformation profonde de nombreux secteurs et de tous les aspects de notre vie, comme l'éducation, des conditions de travail équitables, et l'égalité, l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la démocratie, la bonne gouvernance et des services publics forts et robustes. Nous avons besoin d'une véritable égalité, pas seulement de l'employabilité. Dans ce contexte de transformation numérique, l'intelligence artificielle, le potentiel d'améliorer les relations hommes-femmes. Nous appelons à des mesures concrètes pour promouvoir la participation égale de tous les genres dans la mise en place, l'application et l'évaluation des technologies menées par l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, nous devons traiter le contexte des séquences de données et des algorithmes biaisés au sein de l'intelligence artificielle qui ont seulement mis en place une reproduction, l'amplification de la discrimination homme-femme et du sexisme. Et cela n'est pas acceptable et doit être empêché, doit être combattu. Une inclusion égale de tous les genres à tous les stades du développement de l'IA devrait mettre en place et générer des politiques et des technologies qui rendent l'égalité numérique une réalité, pas seulement un objectif à réaliser. Les biais algorithmiques reflètent les valeurs des personnes qui produisent ces algorithmes et qui les élaborent. Dès lors, un codage qui soit au fait du genre et une intelligence artificielle qui serve tout le monde ne doit pas reproduire des stéréotypes et des inégalités. Cela est tout à fait essentiel. Quand il s'agit d'éducation, la participation des hommes et des femmes dans le domaine de la science, de la technologie, ingénierie, art et mathématiques, ce qu'on appelle le STEAM, doit être soutenu à travers des actions politiques concrètes afin de renforcer la pointe participation et l'inclusion dans l'économie digitale, numérique. L'importance de ces sujets est croissante et nous devons faire en sorte que les femmes ne soient pas laissées sur le bord de la route ou exclues de la situation de la société aujourd'hui et à l'avenir. Dès lors, nous appelons à un mainstreaming du genre et des politiques d'éducation numérique, des programmes à travers la mise en place d'espaces sûrs pour que les filles puissent apprendre, pour que les parents et les enseignants puissent éduquer les filles et les garçons sur les stéréotypes de genre et mettre en place des modèles de femmes, des modèles positifs. Nous appelons
à des campagnes d'apprentissage tout au long de la vie aux quatre coins de l'Union européenne, dirigées et destinées aux femmes pour améliorer les connaissances numériques et en intelligence artificielle. Enfin, il faudrait que des campagnes soient réglées. Et enfin, une autre réflexion avant de conclure. Il y a un énorme problème, c'est le discours d'incitation à la haine sexiste, à la misogynie et à la violence en ligne contre les femmes, mais aussi l'homophobie et la transphobie. Tout cela va à la hausse. Nous condamnons toutes les formes de violence basées sur le genre dans les sphères publiques et privées, y compris sur les réseaux sociaux. Non, d'en mettre un terme à cela, nous appelons à des programmes et des politiques qui luttent contre la violence dans l'espace numérique contre les femmes ainsi que les LGBTQ, la communauté LGBTQI. Chers amis, chers participants, chers invités, par ces réflexions, je vous souhaite un séminaire réussi avec des discussions nombreuses, inspirées. Je vous remercie pour votre enthousiasme et votre engagement afin de faire en sorte que l'égalité des genres et la transformation numérique, et particulièrement dans les technologies qui sont emmenées par l'intelligence artificielle, soit une réalité. Merci à Manuel et à tous ceux qui ont contribué à organiser ce séminaire. Merci beaucoup à toutes et à tous. Gracias, Irache. Merci beaucoup, Irache. Et merci à notre présidente de groupe politique. Alors, si je suis ici, c'est parce que j'ai été associée à ce débat sur la transformation numérique et l'intelligence artificielle. Mais je me rends compte combien cela est intéressant. Je le dis, vu par mon propre prisme, les réflexions soulevées par Irache sont éminemment intéressantes. Merci d'avoir organisé ce séminaire sur ce sujet si important. Il existe donc une fracture de genre, un fossé homme-femme, notamment dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Les TIC, il faut faire en sorte que toutes les femmes puissent exercer leurs droits numériques. C'est d'une importance cruciale. Les femmes doivent être associées à la révolution numérique. Cela doit aller de pair avec des sujets tels que l'éducation, des conditions de vie dignes, l'égalité et des emplois dignes. C'est le dernier séminaire de toute une série dans le contexte de AIDA. Et tout au fil de cet ensemble de webinaires, nous avons analysé les aspects du développement à venir des technologies basées sur l'intelligence artificielle, l'IA, pour d'en démocratiser l'usage. Nous avons exploré la manière dont l'IA peut émanciper, permettre aux entreprises, aux personnes, aux individus de s'émanciper pour combler la fracture numérique pour réaliser le développement et la prospérité. Nous avons analysé l'impact des technologies basées sur l'IA, sur les marchés du travail, pour renforcer les droits des salariés et des travailleurs. Nous avons un niveau élevé de connaissances numériques et cela améliorera la qualité de la supervision démocratique, ce qui devrait être à l'avantage de tous. Et à cette fin, nous avons organisé des questions liées l'acquisition de connaissances informatiques et de TIC. Et nous avons inclus une dimension du genre. Tout cela doit être inclus dans cette transformation numérique pour permettre à tout un chacun de prendre part à ça. Après un an de travail, le rapport AIDA devrait être mis aux voix au mois de mai prochain. Nous voulons une IA démocratique en Europe qui sera humaniste et orientée vers l'humain. L'IA doit respecter la charte des droits
fondamentaux, la supervision humaine. Cela se pose sur se fonde sur la non-discrimination, le respect de la vie privée, plus d'accessibilité et de redevabilité. En étant responsable socialement, une IA démocratique doit contribuer à faire avancer les valeurs européennes de liberté, de démocratie et d'égalité, y compris l'égalité des genres. Certainement le type d'égalité le plus important, à mes yeux en tout cas, et dans le contexte de notre groupe politique. Nous avons reflété cela dans les amendements proposés sur l'acte IA, AIA, concernant un AIA fiable, un dispositif législatif sur l'intelligence artificielle fiable, Trustworthy AI, et aussi de manière transparente, fiable, qui garantisse la transparence et qui ne soit pas discriminatoire. Cela inclut forcément le nécessaire respect de l'égalité des genres. S'agissant de l'apprentissage des connaissances sur l'intelligence artificielle, nous voulons que l'UE renforce cela tout en consacrant les droits. Il faudrait combler les fossés hommes-femmes et continuer d'avancer dans ce contexte. En conclusion, la démocratisation de la technologie a le potentiel de combler les brèches sociales. Malheureusement, c'est le contraire que nous avons constaté jusqu'à présent. Il faut en prendre acte et lutter contre cette potentielle déviation. L'IA a le potentiel d'assurer l'égalité des genres alors que celle-ci est répandue dans le domaine. Il faudrait lutter contre la discrimination et le sexisme dans les algorithmes et l'intelligence artificielle. Je vais vous présenter à présent les intervenants de notre séminaire et je vous remercie d'avoir été présent et d'avoir répondu présent à notre invitation. Le module, le format du séminaire sera celui que nous avons suivi par le passé dans la série des webinaires ou des séminaires en ligne organisés. Donc, chaque intervention sera suivie par la possibilité de poser des questions, d'ouvrir un débat sur chacun des sujets. Je vais donner la parole à notre intervenante suivante, Madame Caroline Schiele. Madame Caroline Schiele est directrice de l'Institut européen pour l'égalité des genres. C'est le seul institut de l'Union qui nous donne des informations sur la position des femmes dans tous les domaines, et notamment pour ce qui concerne l'agenda numérique. Elle supervise la mise en place de programmes stratégiques et de budgets, tout ce qui concerne les femmes. Elle travaille en collaboration avec un minimum Europop. Avant de travailler dans ses fonctions, Madame Schiele était conseillère en chef pour l'égalité des genres au Conseil de l'Europe. Elle a travaillé également pour le Conseil des droits LGBTQI aux Pays-Bas. Merci beaucoup, Madame Schiele. Je vous demande pardon par avance d'avoir écorché votre nom et je vous donne la parole. Problem. Most people pronounce my... Merci, mais pas de problème. On prononce toujours mon nom d'une façon différente, mais ça ne pose aucun problème. Je vérifie. On m'entend bien? Oui? Bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. L'intelligence artificielle a touché et touche tous les aspects de notre vie et ce n'est que le début. L'intelligence artificielle et l'égalité des genres ne semblent pas être reliées alors que c'est tout le contraire. L'avenir de l'IA est
femelle féminine et il faudra qu'il n'y ait plus de biais inconscient et il faut entendre toutes les voix de façon égale. Je vais donc parler de l'avenir de l'IA en termes d'égalité des genres sur les lieux de travail et ailleurs, au-delà. Voilà pour une introduction. L'IA et le fait que la plupart des personnes ne l'aient pas noté montre à quel point l'intelligence artificielle est venue partout dans tous les domaines ces dernières années. Ce qui est vrai, c'est que l'intelligence artificielle et l'égalité des genres sont étroitement reliées. Et ceci parce que l'intelligence artificielle est une création humaine et les humains ne sont pas parfaits. Voyons donc quelques-unes de ces imperfections. Ça commence avant même le développement de l'intelligence artificielle. Les humains font de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques à l'école. Les femmes le font moins et beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a les stéréotypes de genre. Les femmes qui arrivent jusqu'à l'université sont empreinte de sexisme. Lorsqu'elles ont leur diplôme, certaines de ces femmes vont entrer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et là, elles sont face à des défis, l'environnement du travail, les stéréotypes, le harcèlement sexuel, l'atmosphère surtout masculine, le manque de fonds. Alors, seulement 16% des travailleurs de l'IA hautement qualifiés sont des femmes, ce n'est pas étonnant. Certains penseront, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a d'autres carrières pour les femmes, ce n'est pas à nous à contrôler cela, dira-t-on. Et pourtant, le peu de femmes dans l'IA sont un symptôme d'un problème beaucoup plus vaste. C'est la représentation. La représentation, c'est un élément clé pour garantir l'intelligence artificielle équitable, démocratique. Tant que les systèmes de l'IA reflètent la diversité de la société, et si ce n'est pas le cas, l'IA va causer plus de problèmes qu'elle va en résoudre. Parce que lorsque l'on ne tient pas compte des hommes-femmes, eh bien, par défaut, tout est masculin. Sans représentation, les expériences mâles sont exclusivement la réalité moderne. Comme on l'a vu au fil de l'histoire, ce type de système ne fonctionne pas aussi bien pour les femmes. Sans représentation, les femmes ne sont pas bien payées, n'ont pas des jobs respectés dans l'industrie, les secteurs sont dominés par l'homme et connaissent les meilleures conditions sur les marchés du travail, y compris l'IA. Sans représentation, les données biaisées travaillent sur des algorithmes qui perpétuent les stéréotypes de genre. Alors mettons cela dans un contexte. Une entreprise fait un système IA pour aider à trouver des recrues et se penche sur les CV des employés, des candidats. Cette entreprise est dominée par des hommes. Les CV n'ont pas, par exemple, prévu de congé maternel. On n'est pas non plus membre d'un club de sport pour femmes. Et d'ailleurs, les CV prévus ne contiennent même pas le mot « femme ». Ce manque de représentation va pénaliser tout CV qui ne relève pas du profil pré-exprimé. Si on ne renforce pas la représentation des femmes dans l'industrie et l'université pour renforcer la présence des femmes, l'IA va continuer à reproduire ses stéréotypes genre, y compris d'autres stéréotypes, comme par exemple pour les personnes de couleur. Donc je suis ravie que des actions soient prises avec cet acte sur l'intelligence artificielle qui veut minimiser le risque de ce biais et de la discrimination dans l'IA. Je salue aussi l'engagement de la Commission pour
veiller à ce que plus de femmes et d'autres personnes, d'autres horizons deviennent des professionnels de l'IA. Et là, je souligne l'excellent travail qui a été fait par des personnes qui relèvent de l'initiative de Women in AI, ou alors aider à amener davantage de femmes dans ces secteurs que nous devons soutenir et écouter dans la mesure du possible un maximum. Il y a aussi des femmes qui ne travaillent pas dans le secteur lui-même, mais dont le travail est affecté néanmoins par l'IA. Je vais prendre l'exemple de travail organisé via des plateformes ou des work, comme on l'appelle souvent. Ce secteur, c'est la livraison, par exemple, de denrées alimentaires, de services comme Uber. 28 millions d'Européens ont déjà travaillé via de telles plateformes. Nous avons interviewé 5 000 de ces travailleurs pour voir leur motivation et les défis rencontrés. Nous avons constaté que ce sont surtout des jeunes qui sont très bien formés et qui s'occupent d'enfants, surtout si c'est des femmes. Un tiers des femmes qui font le travail de plateforme le font parce qu'elles peuvent combiner ce travail avec la famille et le travail à la maison, le ménage. Les algorithmes, d'ailleurs, veillent à ce que la productivité reste importante. Et il y a cette perte de salaire liée au travail à la plateforme. Les femmes sont parfaitement en mesure de travailler sur un temps plein et vérifier comme elles veulent travailler. Ce type de programmes, de software ne tiennent pas compte des femmes qui s'occupent des enfants. Les cadres politiques doivent répondre aux défis des nouvelles technologies numériques dans l'environnement du travail aussi. Il faut beaucoup de potentiel dans ces nouveaux domaines liés à l'intelligence artificielle. Par exemple, nous avons vu que sur le travail en ligne, il y a plus d'hommes qui font des travaux qui sont en général faits par des femmes plus que sur le travail normal, notamment pour ce qui est du ménage. Davantage d'hommes qui sont payés pour s'occuper du ménage permettent aussi de œuvrer sur cette question des stéréotypes. Qu'est-ce que cela a comme valeur ? Sans veiller à ce que les genres soient pris en compte dans tous les secteurs, notamment l'IA, nous n'allons pas faire avancer l'égalité des genres. Voici une réflexion. L'une des premières représentations de l'intelligence artificielle provient d'une femme. Mary Shelley a écrit Frankenstein en 1818, qui aurait prévu que son histoire d'une créature humanisée resterait pertinente en 2022. La création de Frankenstein a appris comment à vivre à partir des contributions humaines, passant par une famille et tout un système. La création de Frankenstein était une coquille vide. Il a appris son comportement grâce au humain. Mary Shelley nous a montré que cette créature était en fait un monstre. Seuls les humains, pourtant, il n'observait que les humains. 200 ans plus tard, l'intelligence artificielle est-elle si différente de la conception de Mary Shelley? Le succès de l'IA est lié au design de l'humain et comment l'humain l'utilise. Et sans davantage de représentation de la femme, l'IA pourrait faire obstacle à la lutte pour l'égalité des genres. La perspective des genres doit être reprise dans tous les secteurs de la composition et de la conception de l'IA, qui pourra alors être une opportunité, une chance à saisir pour nous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Skill. Frankenstein, c'est une de mes nouvelles favorites. Je l'ai toujours adorée d'un point de vue multiple, d'ailleurs. Et c'est de toute évidence une nouvelle qui tient au fil du temps et qui est aujourd'hui d'une grande actualité.
Et c'est un thème récurrent. Le moment est venu de poser des questions à notre première intervenante. Est-ce qu'il y a des participantes qui souhaitent poser des questions ou des remarques? De toute façon, il y aura d'autres possibilités de s'exprimer parce que chaque fois que nos intervenants ne se rendent pas compte qu'ils peuvent aussi parler entre eux. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Le moment est venu. Je ne vois pas de questions. Moi, j'ai une question. Je vais donc vous la proposer pour briser la glace. C'est une question pour moi qui est intéressante pour ce qui est du problème des données, des algorithmes biaisés. Une forte augmentation des nombres des femmes est importante pour les développeurs, les codeurs, etc. C'est évident. Mais pour ce qui est des stratégies pour éviter l'interprétation correcte des outputs, il faut savoir que les femmes ne sont pas forcément les experts. Et donc, renforcer la femme en tech ne va pas forcément régler le problème de ce biais. Est-ce que vous avez envisagé des solutions à cette question? Oui, lorsque l'on parle de représentation, lorsque le représentation, c'est important. C'est important parce qu'on est dans une société où nous avons 50% de femmes, 50% d'hommes à peu près. Et donc, il est curieux d'être dans un environnement, je pense, où l'on ne voit que l'un des genres est représenté et l'autre ne l'est pas du tout, ou presque. Le fait qu'il y ait une représentation égale ne veut pas dire forcément qu'il y ait une sensibilité par rapport au genre. Et c'est à cela que vous faites allusion. Le fait que nous ayons 50% de femmes disant dans une réunion ne veut pas dire forcément que le débat ait lieu avec une sensibilité par rapport au genre. Je connais des femmes qui ne sont pas du tout sensibles à cette question et je connais des hommes qui sont sensibles à cette question. Donc, ce dont moi je suis convaincue et que nous avons constaté via la recherche, que ce qui fait la différence, c'est qu'il y ait les deux sexes qui soient représentés parce qu'il y a différents types de contributions qui proviennent d'une femme et d'un homme et ça fait une différence au niveau de la discussion et au niveau du travail que l'on va faire ensemble. Il y a simplement différentes contributions qui proviennent d'une femme ou d'un homme. Les deux sexes étant présents dans ce secteur, eh bien, nous sommes convaincus que ça fait la différence. Je peux m'en tenir là pour l'heure. C'est un sujet extrêmement important que vous avez abordé et je suis pleinement convaincue que avoir une présence égale homme-femme, cela fait une différence dans les contributions que chacun apporte au dossier et au travail. Maria, merci beaucoup de votre intervention. J'aurais voulu savoir, suite à votre expérience au sein de l'Institut européen pour l'égalité des genres, si vous connaissez des bonnes pratiques permettant d'illustrer comment l'intelligence artificielle et les technologies, les différentes technologies, peuvent contribuer ou peuvent avoir un impact positif sur l'égalité des genres. Merci. Merci de cette question. En effet, c'est un aspect extrêmement pertinent. Je dois dire que j'ai commencé à explorer ce sujet, le lien entre l'égalité des genres dans l'IA récemment. L'année dernière, nous avons publié un rapport sur les genres et l'IA et je vous invite à le lire. Je ne peux pas mentionner de mémoire pour le moment de bonnes pratiques en tant que telles,
Mais si c'est possible, je reviendrai volontiers vers vous avec une réponse écrite, si ça peut vous être utile. Et je vous remercie de votre question. Elle est pertinente. Et si vous avez le temps, vous pouvez aller voir sur le site web de l'EIGE que nous avons publié l'année dernière. Je vous remercie de votre réponse et de l'information que vous m'avez promise. Merci. Merci, Madame Skill. Je ne sais pas si il y a encore quelqu'un qui souhaite intervenir pour poser une question. Si ce n'est pas le cas, je vais donner la parole à Madame Sophia Teixeira, qui est professeure à la faculté de sciences de l'Université de Lisbonne et secrétaire générale des femmes dans la science et la société. Pour le moment, elle est professeure assistant et chercheur à la faculté de sciences et de l'Université de Lisbonne, où elle donne des cours sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage par machine. Avant, elle travaillait à l'hôpital d'Alousse sur Learning Health. Avant cela, elle a fait un post-doctorat à l'université Indiana Institute sur les sciences et les réseaux. Elle a travaillé sur les systèmes de modélisation et d'analyse via le développement de nouveaux algorithmes et de graphiques, ainsi que sur les réseaux, l'application de réseaux en sciences et en méthodes d'apprentissage par machine. Merci beaucoup. Nous vous remercions de votre participation. J'espère que mon portugais était à la hauteur. Vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir de parler de ce sujet très important qui est d'autant plus important lorsque l'on en parle aussi dans nos écoles, dans nos universités. Et vous parliez de références littéraires. L'on peut aussi commencer par là pour éduquer les enfants, les jeunes et nos étudiants ultérieurement. J'aurais voulu dire que Invisible Women de Caroline Parents, qui parle de déséquilibre homme-femme dès le début du livre. Avant de parler d'égalité homme-femme, il faut être conscient de cette fracture entre les genres dans les données. Nous parlons d'égalité des genres dans l'intelligence artificielle. Et comment les données avec lesquelles nous alimentons nos algorithmes et que nous appliquons, et puis nous parlons des résultats qui sont impactés évidemment par la qualité et la diversité de ces données d'origine. Quand on pense à l'époque de notre enfance, lorsque nous avons commencé à étudier, dans les dessins animés qu'on regardait, c'est un langage dominé par le masculin. Aussi dans nos livres d'apprentissage, de mathématiques, de français, on a beaucoup d'exemples mâles dans toutes les phrases qu'on apprend. Et c'est structurellement ancré dans le système, ce manque d'égalité des genres et de diversité dès le tout début. Donc, quand on est enfant, on n'est pas vraiment conscient que c'est une vraie question et comment cela impacte notre développement cognitif au fil de notre vie. Je pense que il y a beaucoup de petites étapes que nous pouvons réaliser au niveau de l'éducation, même au niveau universitaire. Et nous sommes bien sûr à l'avant de la scène avec nos étudiants. Il faut pouvoir attirer aussi des femmes et des jeunes filles dans les secteurs d'éthique et autres de ce type dans les cours que moi je donne à l'université. J'avais donné des devoirs à faire complètement ouverts en disant, voilà, vous pouvez faire un projet lié à l'IA, mais quel qu'il soit, quelque chose qui vous fait souci. Et soulevant les inégalités des genres et ces systèmes automatisés qui, pour apprendre une langue, ces questions de violence,
Et ça, ce sont des éléments qui préoccupent nos étudiants. Et le fait que cette conscience existe, elle a déjà été créée, ce qui est extrêmement important dans leurs esprits. Mais pour avoir cette représentation féminine, cette représentation dont l'oratrice précédente parlait, il faut essayer de déconstruire cette idée que l'IT, l'éthique, l'ingénierie et tout type de travail informatique, c'est pour les hommes. Je pense que de nos jours, ces stéréotypes baissent, mais quand moi j'ai commencé mes cours d'ingénierie, il y a bien longtemps de cela, je pense que nous étions 200 étudiants à cette année de computer engineering, et nous n'étions que 8 femmes, 8 filles. Et donc, dès le début, il faut que les femmes soient représentées, il faut que nos étudiants, dès le collège, même avant, soit en mesure de comprendre à quel point il est important d'avoir cette représentation, cette conscience. Et nos collègues masculins doivent aussi l'avoir. Donc, il faut créer cette conscience dès le tout début, c'est-à-dire montrer comment le manque d'équilibre des genres peut impacter toute la vie. Dans l'IA, il y a ces boîtes noires, ces algorithmes. On pense à les utiliser, par exemple, pour la reconnaissance vocale, la reconnaissance des images, des photos. On a déjà beaucoup de défis à relever dans l'IA. Il y a beaucoup de questions, l'explication, l'éthique, etc. Et si nous n'avons pas cette représentation féminine, et puis aussi des genres, il faut prendre tout cela en compte. Je pense que l'IA pourra alors être utilisée pour identifier seulement des problèmes, et c'est seulement après que l'IA va résoudre des problèmes. Donc, il faut faire très très attention à la façon dont nous utilisons ces algorithmes. On ne peut pas le faire à l'aveuglette. Quand on conçoit un système, nous avons le modeling, le coding, le déploiement, toutes ces étapes. Et nous avons aussi beaucoup d'autres niveaux que nous voulons prendre à partir de l'IA. Nous voulons avoir des choses nouvelles, nous voulons prendre des décisions, qu'il y ait des systèmes de soutien à un processus décisionnel. On veut aussi pouvoir prédire des événements futurs, comme en santé. Quand je travaillais par exemple à l'hôpital, lorsque nous avons commencé à analyser des données, lorsqu'on analysait la population dans sa totalité, lorsqu'on fait cela, on n'est peut-être pas au courant des relations qui sont peut-être rares dans la population, mais par exemple qui sont liées à des femmes, des maladies qui ne sont présentes que dans la population féminine. Mais alors on applique des statistiques et ces statistiques pourraient même cacher ces effets-là. Et donc, dans certains domaines, cela peut être très très important que d'avoir un système plus large qui peut vraiment soutenir nos décisions. Au cours de toutes ces étapes, la première étape, c'est que les femmes doivent être conscientes qu'on a besoin d'elles pour pouvoir construire ces systèmes. Ensuite, il faut créer cette conscientisation dès le tout début de l'éducation, pour attirer davantage de femmes pour suivre des cours d'informatique et d'ingénierie. Il est formidable qu'il y ait aussi des associations Women in AI, les femmes dans la science, les femmes dans l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle est aussi dans d'autres domaines, par exemple dans la science des réseaux, on utilise l'apprentissage par la machine, etc. On utilise les mêmes technologies, les mêmes objectifs dans des domaines qui s'appellent peut-être autrement, mais de toute façon, dans ces domaines-là, on utilise l'IA et il y a une sous-représentation des femmes et d'autres genres aussi. Tout ce dont on discute depuis le début, les systèmes de recommandation, policy making, la santé, etc., dans tout cela, il faut qu'il y ait la représentation des femmes. Et
les algorithmes, dans les algorithmes aussi, nous voulons avoir des résultats très élevés, mais je pense qu'on peut les utiliser pour identifier précisément où les choses ne fonctionnent pas, où il manque des données. Avant de déployer les systèmes pour une utilisation générale, parce que tous les biais peuvent être extrêmement difficiles à contrôler une fois qu'ils ont été implémentés, une fois que l'on a vu et qu'on détecte les conséquences dans la vie de tous les jours. Donc, il est utile d'identifier les problèmes afin de les aborder et de les corriger. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais dans mon rôle en tant que professeur et que scientifique, je pense que évidemment, il nous faut plus de femmes qui participent au processus de création de ces modèles, de ces codes, de ces équipes multidisciplinaires qui ont toutes ces perspectives cognitives et les intègrent. Mais ceci doit commencer dès le tout jeune âge, changer la façon dont nous percevons le monde qui n'est pas, qui n'existe pas par défaut en masculin. Il faut avoir un esprit plus critique pour être capable de dire bon, il nous faut un monde plus diversifié, des données plus diversifiées. Il faut au moins être capable d'identifier là où elles ne sont pas identifiées, là où les femmes ne sont pas présentes, pour pouvoir ensuite déployer des systèmes IA auxquels on puisse faire confiance. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Teixeira. Vous avez soulevé des questions importantes et intéressantes. Je vais donner une fois de plus l'occasion et la chance à nos participants pour nous envoyer des questions, avoir la possibilité de prendre la parole, poser des questions, livrer des commentaires. Mais auparavant, mais sinon, j'aurai des questions à poser de mon côté. Mais Marie va changer un petit peu le ton et je vais donner la parole immédiatement. Merci beaucoup. Merci de cette participation. Merci de votre contribution. J'aurai deux questions à poser. J'aurais quelques questions à poser. Vous avez parlé du fossé entre les genres et aussi au fossé de données. À quoi faisons-nous référence? De quoi avez-vous besoin dans vos recherches? Je m'explique. Dans le cadre de vos recherches à l'hôpital, quelles sont les données qui vous sembleraient utiles pour améliorer la prestation de services de soins? Voilà pour ce qui est de ma première question. J'en viens à ma seconde. Vous avez dit qu'il y a une brèche concernant l'égalité des genres dès notre âge le plus tendre. Je suis d'accord avec vous. Alors, très bien. De par votre expérience personnelle, qu'est-ce qui fonctionne pour attirer le plus grand nombre de femmes dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans toute la sphère numérique? Alors, pour ce qui est de la perspective du genre dans le monde de dans le domaine de la santé, j'ai travaillé récemment avec des étudiants dans ce contexte, parfois pour sonder l'écart entre les genres. Alors nous collectons des données et nous les injectons dans une machine pour essayer de dégager une agrégation de groupes de tendances similaires. Je vous donne quelques illustrations simples. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous ne procédons pas à une agrégation par genre, c'est-à-dire lorsque nous ne sommes pas sensibles
à des particularités dont on a documenté qu'elles ne concernent que les femmes, eh bien nous perdons certaines données sensibles. Si nous ne parvenons pas à identifier certaines interactions entre certaines maladies et certaines pathologies en milieu hospitalier, et je ne voudrais pas en fait m'appesantir sur des détails statistiques ou mathématiques. Oui, dit-on à partir de la salle, les détails peuvent être souvent importants. Oui, vous avez raison. Certains éléments sont importants concernant un pan de la population qui partage des traits communs. Lorsque nous procédons à des recherches statistiques qui nous confortent dans la tendance que nous poursuivons, peut-être que s'il n'y a pas suffisamment de représentation ou si certains pans sont dilués dans une population plus importante, qui est plus diverse, lorsque l'on confond les hommes et les femmes, lorsque l'on observe les résultats finaux de ces algorithmes, nous perdons la sensibilité des données qui sont propres aux femmes. Par exemple, lorsque nous observons une population de réfugiés, nous avons observé des interactions qui sont très communes dans cette population de réfugiés, comme l'anxiété et d'autres perturbations, d'autres troubles. Et par exemple, nous pouvons observer la prévalence d'endométriose ou d'autres syndromes de maladies. L'on peut dégager une corrélation entre ces impacts lorsque nous procédons à l'agrégation et que nous distinguons la population des hommes de celle des femmes. Lorsque nous procédons à cette agrégation, nous pouvons observer une évolution des maladies ou lorsqu'il y a différents traits selon les genres, selon que cela concerne les hommes ou les femmes. Bon, voilà, toute la population, je lance l'algorithme, j'obtiens des résultats. J'obtiens des résultats différents que si j'avais procédé à une agrégation par genre. Je crois que nous pouvons faire confiance au déploiement de certains systèmes, notamment dans le domaine de la santé. Car si nous sommes au fait des différences lorsque nous procédons à une agrégation par genre et ce qui peut être intéressant pour les femmes comme ce qui peut être intéressant pour les hommes. Dans le domaine de la santé, cela donne une perspective de genre qui permet partant de fournir des soins de santé de meilleure qualité. Eh bien, pour de nombreux cliniciens, nous pouvons être en présence de certaines interactions qui pourraient être occultées si nous n'avions pas une agrégation des données par genre. Et je crois que cette perspective de genre crée les données, les engendre, pas seulement avant l'analyse, mais après, pas en amont de l'analyse, mais en aval de cette dernière. Et parfois, nous passons outre certains éléments qui pourraient être très utiles si nous n'agrégeons pas ces données. Alors, ensuite, pour parler de technologie de l'information et d'ingénierie, la sensibilisation que nous avons été en mesure de créer dès l'école primaire, eh bien, elle a vocation à mettre en place des réactions cognitives que nous passons sous silence. Par exemple, si l'on donne des exemples à de très jeunes enfants en disant que Jean est ingénieur et Maria est infirmière, cela crée des biais cognitifs dès un âge très tendre. Et cela peut laisser des traces. Alors que si l'on diversifie les exemples dans les manuels scolaires dès le début, dès la maternelle, le CP, eh bien, au lycée, nous ne penserons pas, les enfants, les élèves ne penseront pas automatiquement que les ordinateurs, ce sont pour les garçons et
Les filles n'ont pas leur place dans ce domaine. Peut-être qu'il y a que cela crée des barrières mentales pour les filles qui estiment qu'elles n'ont pas leur place dans leur domaine, dans le domaine des ordinateurs. Par exemple, moi au lycée, j'étais la seule fille dans une classe de 30 élèves, dans une classe de cours sur les ordinateurs. Alors, j'espère que les filles, en grandissant, trouveront normal de suivre des cours sur la technologie de l'information et dès lors qu'elles envisagent un problème ou qu'elles sont confrontées à un problème, elles peuvent penser tout à fait naturellement qu'elles peuvent faire partie de la solution. Bien sûr, il faut dire que les ateliers avec, en présence des femmes sont importants. Alors que dès un très jeune âge, l'on peut dire que les emplois sont pour les hommes et pour les femmes, sans placer des barrières mentales aux filles qui pensent ne pas pouvoir accéder à tel ou tel emploi. Merci beaucoup. Cette dernière question est très intéressante. Je vais vous poser une question. Eh bien, cette assemblée, ce Parlement européen, a adopté une résolution l'année dernière sur la manière de combler la fracture numérique et de donner leur chance aux femmes dans ce domaine. Je cite le composant du genre doit figurer dans le matériel didactique pour que les enfants, notamment les filles, puissent accéder à tous les sujets liés à la technologie de l'information et d'autres cours à l'école. Alors, comment pouvons-nous traduire cela dans les faits? Quelles seraient les meilleures pratiques et quelles seraient vos recommandations à cet égard? Sophia Teixeira. Bien sûr, l'une des propositions que j'avancerai, et comme je le disais tout à l'heure, est de modifier les illustrations et les exemples qui sont donnés dans les manuels scolaires, c'est-à-dire le matériel didactique auquel sont exposés les élèves et les adolescents pendant leur éducation. Au Portugal, il y a une petite académie à Porto, où les écoles pour le second et le troisième cycle, pour le l'encodage, pour inciter les filles à prendre part à des cours d'encodage. La principale question ici étant, bien sûr, on peut créer des infrastructures, mais il faut que cela passe aussi par les mentalités. Et les parents doivent également contribuer à déconstruire activement ces constructions mentales qui existent. Bien sûr, cela doit être écrit noir sur blanc, il faut qu'il y ait des plans, il faudrait consacrer davantage de ressources aux jeunes afin qu'ils puissent avoir accès au codage pour en savoir davantage, etc. Mais ce qui est très important, c'est de sensibiliser les parents et le système éducatif, bien entendu. Par exemple, lorsque l'on enseigne le codage et lorsque l'on incite les filles et les femmes à s'intégrer dans le domaine des technologies de l'information pour une représentation dans les données. Et un petit exemple à cet égard concernant les éducateurs, les enseignants, il faut créer des exemples qui soient accessibles, par exemple au niveau sportif ou même dans les dessins animés. L'on peut observer des résultats différents si l'on prend part à ces représentations. Je crois que même les infrastructures de l'éducation auront un impact
considérable si tous ces niveaux, toutes ces strates interagissent les unes avec les autres. Je sais que ma réponse n'est pas simple, mais voilà. Merci beaucoup de ces explications. Je vais à présent donner la parole à l'intervenante suivante, Sarah Mateus, experte dans le domaine des égalités, de l'égalité, des politiques d'égalité. Elle est conseillère genre égalité des genres au sein du Parlement espagnol. Elle est agrégée de sciences politiques en 2005. Elle est diplômée de l'Institut des sciences politiques de Strasbourg avec un diplôme de sciences du genre avancé. Le sujet de sa thèse est féminité au plan politique. Elle a un master. En 2012, elle a remporté le prix SI de Burgos dans le domaine de la politique d'égalité. Elle a travaillé à différents postes techniques et managériels et en tant que consultant externe. Elle a publié des études, le plus récent étant le livre blanc sur les femmes et l'égalité du ministère de l'économie en Espagne en 2018. Elle a été conseillère de la présidence 2018 à 2021. Elle est en ce moment conseillère du groupe socialiste au sein du Parlement espagnol, le Congrès espagnol. Madame Mateus, vous avez la parole et merci beaucoup de votre participation. Bonjour à tous, merci beaucoup et merci de m'avoir convié et félicitations de cette initiative et de ce cycle de journées que vous avez organisé pour approfondir cette question aussi passionnante et complexe que l'intelligence artificielle. Nous avons déjà soulevé, en tout cas les intervenantes précédentes ont soulevé de nombreuses questions. Je vais tenter de ne pas tomber dans les redites, mais je vais tenter de fédérer les différentes composantes qui ont été abordées. Lorsque l'on parle des femmes et de l'intelligence artificielle, il faudrait aborder cela de différents aspects, notamment pour ce qui est des connaissances numériques. La Commission européenne, et vous n'êtes pas sans le savoir, la Commission européenne y accorde une importance considérable, notamment la présence des femmes dans la sphère numérique et l'enseignement des algorithmes. Il faudrait aborder comment la manière dont ces biais dans les algorithmes ont un impact sur la vie, et donc il ne faut pas parler seulement du monde numérique, mais aussi de ses incidences hors de cette sphère. Je voudrais donc, au-delà de ces sujets, faire quelques réflexions sur les sujets qui ont été abordés. La réflexion sur la perspective de genre, eh bien, la présentation est une question très importante et nécessaire qui enrichit les différentes équipes. La sensibilité aux questions d'égalité est indispensable pour gérer cela, mais pour appliquer la perspective de genre, il faudrait que nous ayons des connaissances techniques spécifiques. La bonne volonté, la sensibilité ne suffisent pas. Comme dans tant d'autres domaines, il nous faut des ressources théoriques et techniques qui nous facilitent l'application de cette perspective. Cela ne se cantonne pas à la bonne volonté. Alors, dans le droit fil de cela, vous êtes nombreuses et nombreux de plancher sur un dispositif législatif qui va avoir un effet sur les États membres. Et donc, les normes et les dispositifs législatifs auront un effet sur l'égalité des genres. C'est nécessaire, indispensable. Il faudra que ce soit le plus concret possible, car nous pouvons avoir de magnifiques législations, de magnifiques normes qui énoncent et dictent l'égalité homme-femme comme étant souhaitable et louable, mais si ce n'est pas bien appliqué, cela ne vaudra pas grand-chose.
lorsque nous parlons des régulateurs dans les différents États membres, il faudrait préciser le contact avec les organismes institutionnels qui planchent sur l'égalité, et il faudrait préciser de quelle manière ils peuvent s'associer au travail, ces régulateurs. Quelque chose qui nous effleure et qui nous vient à l'esprit lorsque nous parlons d'égalité homme-femme, nous avons l'impression de commencer à zéro, alors que là nous parlons d'intelligence artificielle au plan des procédures. Les femmes vont apporter beaucoup de choses, car ce sont elles qui connaissent leur domaine, qui le connaissent le mieux. Et puis, il faudra définir les contours du monde du travail au fil des ans. Alors, j'en viens à présent aux faits les plus concrets. La transformation numérique n'est pas une option, ce n'est pas facultatif. Les sociétés se numérisent de manière très rapide, et l'on peut parler désormais de la quatrième révolution industrielle. Le numérique est dans notre vie, dans tous les aspects institutionnels, académiques, professionnels, y compris dans des relations personnelles. Et cela signifie une révolution profonde à tous égards. Alors, ce qui nous alerte pour les femmes dans le domaine technologique, et cela ne se cantonne pas aux professionnels, c'est l'acquisition de connaissances numériques. Elles sont indispensables, non pas pour le travail uniquement, mais nous sommes entourés d'instruments numériques, et il faut que nous nous y habituions, que nous nous y fassions, que nous les apprenions, mais que cela commence par les transactions bancaires et atteigne nos relations avec nos amis et les membres de notre famille. Ces médias numériques sont partout. Alors, c'est important. Cela va concerner tous les aspects, tous les volets de notre vie. Et il faudrait profiter à 100% du talent à disposition. Les intervenantes ont abordé les questions importantes. Alors, ce n'est pas la situation, la fracture homme-femme n'est pas un instantané fixe. C'est évolutif. Et pour avoir une idée de comment cela se passe, il faut avoir une idée des éléments qui pèsent sur cela pour définir l'intérêt des femmes dans ce domaine. Et le corollaire de cela, comme cela a été dit, la présence des femmes dans le monde numérique. Nous avons parlé du rôle des stéréotypes que nous avons intériorisés, intégrés depuis notre plus tendre enfance. Changer cet état de choses est crucial, non seulement dans notre manière d'évoluer, mais également dans la configuration même des procédures technologiques et des sensibilités que nous percevons. Cela contribue à ce qu'il y ait moins de femmes qui se sentent attirées par le technologique qui est perçu comme un domaine a priori masculin, et aussi d'autres stéréotypes, d'autres types qui sont l'intelligence supérieure, il faut vraiment être brillant en mathématiques pour pouvoir faire ceci et cela, se spécialiser dans tel ou tel domaine. Alors, une étude récente a eu énormément d'impact qui dirait que jusqu'à l'âge de 6 ans, tous les enfants se considéraient égaux en termes d'intelligence, et à partir de 6 ans, les filles commençaient à se considérer moins intelligentes que leurs camarades garçons. Alors, il y a des préjugés sur les capacités de chacun, sur les intérêts et sur les motivations. Nous avons déjà parlé de cette première tranche d'âge qui a une importance cruciale. Il faudrait ensuite que nous puissions intervenir sur la période universitaire, mais nous sommes en train d'injecter dans les études tous ces résultats et des études et des contributions. Eh bien, les biais
et ne concerne pas les contenus et les matériels didactiques, comme le signalait l'une des intervenantes précédentes, mais aussi dans la manière dont on enseigne les matières. Il y a des études et des données qui nous disent qu'il y a des éléments dont on prend conscience, mais d'autres qui sont intériorisés, des stéréotypes qui sont transmis de manière inconsciente dans la manière même d'enseigner les matières, dans la manière de poser les questions, dans la manière d'évaluer les examens et les contrôles des filles ou des garçons. Des stéréotypes de genre opèrent même dans ces contextes-là. Et cela pèse sur les petites filles et qui les empêche de s'intéresser ou de s'intégrer ou d'entrer dans ces domaines des technologies. Alors, il y a la perception de ses propres compétences et capacités. On a beaucoup entendu que les filles sont plus douées en langue, que les garçons sont plus doués en mathématiques. Autant de stéréotypes qui s'accumulent dans notre perception. Alors, ingénieureux, c'est ingénieur fille, c'est un peu plus rare, c'est plus difficile de devenir ingénieur quand on est une fille. Ce sont des stéréotypes très courants, très répandus. Alors, il faut continuer à coopérer, à travailler pour changer cet état de choses. Il y a des référents et beaucoup d'initiatives qui sont menées à bien dans ce domaine, notamment dans le primaire, par exemple, dans les manuels scolaires, dans le matériel didactique, qu'il y ait des représentations différentes des femmes, que l'on présente une autre image de la femme. Et ainsi, les filles et les femmes peuvent percevoir qu'il existe des référents autres, qu'il n'y a pas simplement des référents qui leur sont interdits. Et cela il y a des éléments qui ne doivent pas être destinés aux seules filles, mais doivent être destinés aux filles et aux garçons. Et cela peut aider les filles à s'habituer à des domaines qui leur semblent étrangers, comme par exemple le domaine technologique. Cela se reproduit ensuite dans les entreprises et dans des milieux qui leur sont très hostiles. Et les femmes en parlent très souvent. Un autre élément fondamental dans ce processus qui influe sur le fait qu'il y a très peu de femmes qui s'occupent de code ou qui élaborent des algorithmes. Alors, comment la perspective de genre pèse sur les algorithmes? Eh bien, cela commence par la configuration et le design même des algorithmes. Il est très probable qu'il y ait des biais. Alors, comment ces biais prennent en compte l'entourage et comment introduire des mécanismes pour les rectifier. Ensuite, il faudrait voir quel est l'impact de cela dans la vie hors ligne, c'est-à-dire dans notre vie réelle. Alors, nous parlons de cela, c'est-à-dire à qui l'on propose, on accorde un crédit hypothécaire, un crédit pour acheter une maison, etc. Les algorithmes fonctionne de plus en plus, par exemple, dans le processus de sélection de ressources humaines. Ce sont donc autant de facteurs qui ont un impact direct sur notre vie quotidienne et sur nos aspirations et sur notre développement personnel également. En outre, ce n'est pas le moins important, le secteur technologique n'est pas seulement un domaine commercial, mais il se transforme en vecteur de connaissances culturelles. Il joue donc un rôle très important dans la perception du monde qui nous entoure et qui pèse sur les comportements hors ligne. Nous estimons que les informations qui sont engendrées par le biais de l'intelligence artificielle, cette aura autour de la science, et l'on imagine un algorithme neutre et efficace, ce qui rend encore plus difficile l'identification de ces biais qui continuent de se perpétuer.
Alors, je conclus en disant qu'il est toujours important de compter avec des professionnels. La bonne volonté ne suffit pas. Il faudrait que le design des algorithmes et leur élaboration n'aient pas un biais de genre. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une limitation aux aspirations vitales. C'est une question qui est tout sauf secondaire. Et cela pour pouvoir ne fût-ce que mettre à profit des talents et des compétences ambiantes. Alors, puisque l'on parle de Mary Shelley, sa mère, c'était Mary Wollstonecraft, qui est l'une des penseuses les plus importantes du féminisme illustré. L'illustration numérique dans ce monde numérique est une réponse à toutes ces valeurs que l'on présentait comme universelles, mais qui ne concernaient que les hommes. C'est une revendication citoyenne. Il faut que nous tenions compte de cet apprentissage pour que tous les dysfonctionnements qui existent dans le monde analogique ne se reproduisent pas dans le monde numérique et technologique. Alors, Mary Shelley, qui est initiatrice de la pensée féministe, eh bien, avait de qui tenir, puisque c'est sa mère qui avait été une des grandes penseuses et à l'origine de ces modifications. J'aimerais terminer avec une phrase, une citation pour interpeller notre individualisme en tant que citoyen. Personne ne nous limite, personne ne nous soumet et que nous devons suivre notre propre monde intérieur. Merci. Muchas gracias. I can't see. Merci. Je ne vois pas vraiment bien l'écran d'ici. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir. Y a-t-il des questions? Maria, vous avez la parole. Merci, Sarah, de tous tes propos. Tu as partagé avec nous ton expérience. Vous avez mentionné qu'il était important d'explorer non seulement la présence des femmes au sein de l'IA, mais aussi, et c'est très intéressant, de voir comment les femmes en général utilisent la technologie de l'IA, qui est encore une autre façon de voir les choses. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette différence ? Quels sont les différents schémas que vous observez entre l'utilisation de l'IA par un homme ou par une femme? Merci. Cette question, il faut voir qui l'utilise, l'IA, et comment et quand on l'utilise, l'IA. Il y a des données. Je n'ai pas les données toutes récentes sous les yeux, mais je peux toujours vous les donner. Ça a été publié par la Commission européenne qui indique non seulement les femmes utilisent moins la technologie, mais l'utilisent aussi d'une façon différente pour des choses différentes. Et ceci est relié avec tout ce que l'on disait tout à l'heure. Le sujet de la programmation, explorer ce qu'il y a dedans. Si on considère la technologie comme une boîte, il y a une tendance, justement, comme on le disait, est-ce qu'on se sent capable de le faire? Les enfants, les garçons ouvrent la caisse et voient tout de suite comment ça fonctionne et demandent et veulent voir comment ça fonctionne. Et les femmes ont d'autres façons, doivent s'occuper d'autres choses. Elles s'occupent des études, du ménage, de la fonction et ne vont pas s'intéresser au fonctionnement de l'application, la façon dont ça fonctionne. Et donc l'utilisation même des technologies, que ce soit des jeux vidéo, du téléphone mobile, qui est aussi un champ important pour analyser ce type de choses,
a des répercussions sur ses capacités d'utilisation ultérieure et d'approfondissement des connaissances. Parce que si on se sent capable de l'utiliser au fur et à mesure, on va pouvoir se sentir capable aussi de creuser et de s'y former pour sa profession. Et depuis l'extérieur, ça peut être compliqué. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, s'il y a un manque d'utilisation quotidienne, si on n'a pas des habiletés, des capacités numériques dans un monde qui devient de plus en plus numérique, le risque d'exclusion est de plus en plus grand, non seulement quant à la participation des processus de l'élaboration de l'IA, mais aussi dans la vie quotidienne qui, quand on est immergé dans le numérique, ça va faire en sorte que si on ne l'est pas, on finit par s'exclure. Une petite note. Tu penses que les femmes sont moins sensibles à la question de cybersécurité que les hommes? Elles sont moins sensibilisées? En général, je ne pense pas qu'elles soient plus ou moins sensibles à quoi que ce soit parce qu'elles sont une femme. Mais je pense que toute cette configuration des intérêts au plan technologique influe sur le fait qu'il y ait moins de femmes en cybersécurité. Ce n'est pas qu'elles n'y sont pas sensibles, c'est parce que depuis toute petite, on a été conditionné à penser que c'était bon ou pas bon pour soi-même. Sophia disait tout à l'heure que « Ah oui, non, ça c'est pas pour moi », on l'entend souvent et on continue à le dire aux petites filles. Lorsqu'on a élaboré le livre blanc sur les femmes dans le domaine de la technologie pour le ministère de l'économie, on a insisté là-dessus. On a parlé aussi beaucoup à des femmes universitaires, ingénieures, et ce que j'ai entendu beaucoup, j'entendais ce type de commentaires. Et ça m'a beaucoup surpris, une jeune fille qui, assez jeune, qui avait son diplôme et ses parents lui avaient dit « Est-ce que tu pensais vraiment que tu veux faire devenir ingénieur? C'est peut-être un petit peu compliqué pour une fille, c'est peut-être un peu, tu pourrais peut-être choisir quelque chose de plus facile. » Donc on a tous d'informations, de stéréotypes, de conditionnements. Je ne dis pas que ce soit fait de façon intentionnelle, que c'est discriminatoire de façon active, mais on reproduit ces schémas de façon inconsciente et au bout du compte, on génère ces inégalités qui se poursuivent. C'est pour ça que j'insiste, il est important de connaître et de se baser sur ce que disent et ce que font des professionnels qui vont dire comment on va aborder ces questions. Et il est absolument nécessaire de créer cette sensibilité. Il faut la représentation des femmes, mais au fond, il faut aussi des connaissances techniques et scientifiques pour savoir exactement où il faut faire quoi. Sinon, on va continuer avec la meilleure intention du monde, continuer à poursuivre et éterniser les stéréotypes qui freinent justement la présence des femmes dans ce domaine. Maria, on dirait que tu es de Léon. En entendant ton espagnol, bon, c'est tout près de la Castille, mais pas tout à fait. En tout cas, nous avons le meilleur espagnol possible. Alors, pour terminer, j'aurais voulu poser une question très concrète, parce que au fur et à mesure que nous connaissons l'évolution législative au niveau européen, les différents niveaux de numérisation, et concrètement aujourd'hui on parle de l'IA, au fur et à mesure de ces évolutions, on voit qu'il est de plus en plus nécessaire d'avoir des équipes multidisciplinaires, comme on vient de l'entendre. C'est-à-dire, il faut travailler avec des experts, des expertes sur différents terrains et ne pas se fonder sur une connaissance plutôt généraliste ou compter sur la sensibilité, notamment la conscience du biais du genre, mais il faut aussi se fonder, avoir et travailler avec des gens, des expertes.
et la technologie nous donne une opportunité, une chance énorme de pouvoir avancer vite pour surmonter ces biais, ces déséquilibres. Mais dans un sens inverse, on voit aussi, on voit avec Frankenstein, qu'il y a une possibilité que ces biais, ces fractures se creusent. Et il y a donc des outils à maîtriser. Est-ce que tu connais des cas d'entreprises technologiques ou d'administration ou de gouvernement qui travaillent sur ce terrain et qui travaillent sur ce paradigme avec des équipes multidisciplinaires, avec des spécialistes des genres? C'est vrai qu'il y a des réglementations ici et là dans toute l'Europe. Ici, comme en Espagne par exemple, on est plus avancé au niveau de la législation. Mais est-ce que dans la pratique, il y a déjà des pratiques, des bonnes pratiques réalisées par des administrations par exemple, qui pourraient nous orienter pour nous guider, pour savoir par où il faut passer? Des exemples de bonnes pratiques? Il y en a. Dans ce livre blanc, justement, on a un chapitre avec un exercice qui permet de reprendre les bonnes pratiques sur chacun des aspects, chapitre par chapitre. C'est un sujet nouveau qui est en train de naître en Espagne. On est en train d'approuver la loi sur... Il y a une loi scientifique qui va tenir en compte de ces éléments. Et comme on s'intéresse de plus en plus à ce sujet, c'est quelque chose qui est en train de naître partout. Et on ne définit pas toujours le rôle exact à jouer par cette égalité des genres. Ça évolue dans la définition de ces organismes, ça évolue également. Des bonnes pratiques, c'est-à-dire quand les algorithmes avec la perspective des genres. Non, ce n'est pas encore très, très évolué. Il y a des projets pour le moment, notamment pour travailler avec des femmes. Mais c'est quelque chose de nouveau qu'on est en train de faire évoluer. Nous sommes encore dans le processus de première constitution. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il est important de définir ces organismes, quelles structures on va leur donner pour ce qui est de l'égalité homme-femme dans ce domaine-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, c'était bien. Merci beaucoup de cette intervention, de ces questions et de ces réponses, surtout de ces réponses. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, sinon nous allons passer à l'intervenante suivante et à la fin, il y aura encore un espace pour poser des questions. Et comme je disais, il est possible aussi que les intervenantes se posent entre elles des questions si elles souhaitent avoir davantage d'informations ici ou là. Maintenant, je vais passer à notre dernière intervenante, Ivana Bartoletti, qui est fondateur de Women Leading in AI, reconnue internationalement, penseuse dans le domaine de la privacy, data protection et la technologie responsable. Elle a travaillé beaucoup longtemps dans de grandes organisations, dans la politique de données à caractère personnel, stratégie, programme lié à la transformation digitale et l'automation. Le prix de la sécurité cyber l'a nommée femme de l'année en 2019. Elle est fellow à l'université de Oxford dans le domaine de l'information partagée dans le monde entier en domaine de privacy, sécurité, protection des données. Elle a coédité un livre, un handbook pour les entrepreneurs, les visionnaires fintech, et elle est auteure aussi de Révolution artificielle dans l'IA. Elle a fondé aussi le Women Leading in AI Network. C'est une experte dans le sujet qui est beaucoup recherchée, qui est beaucoup interviewée au plan international. Ici, d'ailleurs, il y a une interview que l'on peut consulter. Je suis ravie de pouvoir inviter Ivana. J'ai aussi été
présents lors de ces interventions et je me félicite qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Vous avez la parole, Ivana. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici et je suis ravie d'avoir entendu les autres intervenantes. C'était très, très intéressant. Je voudrais présenter deux éléments. Un, la question qui a été beaucoup posée à propos de la perspective des genres. Et ensuite, la discussion actuelle sur la réglementation que nous menons. Et je voudrais aussi présenter quelques idées SD. Et je pense qu'il est important de se concentrer sur certains points. Et je parle d'un point de vue d'expert en matière de privacy, mais aussi en tant que quelqu'un qui a présidé un groupe de par le passé et qui connaît bien le monde politique. Je voudrais commencer par ce qu'on disait tout à l'heure en apportant une perspective un petit peu différente. L'IA ouvre beaucoup de portes dans notre société, on l'a dit, et dans le secteur de la médecine, l'ingénierie et beaucoup d'autres secteurs. Toutefois, en plus de toutes ces excellentes choses, nous avons aussi vu le risque des stéréotypes dans le codage qui perpétuent les inégalités dans la société et les automatisent. C'est un risque fort pour les femmes et notamment pour les femmes de couleur. Et les éléments délétères que l'on voit frappent soit l'individu et que les groupes. Pour l'individu, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, nous parlons d'algorithmes qui doivent être alimentés de données, des données qui sont biaisées, parce que les données, c'est un cliché de la société, une image, et donc en codant des données existantes qui sont représentatives de la société en faisant des algorithmes, on renforce et il y a une décision d'édition, c'est cela qui va nous permettre d'être exposés à Internet. Donc on travaille la responsabilité à laquelle on est exposé et les algorithmes décident de plus en plus si l'on nous donne ou non un service, si on reçoit une maison, une location, un crédit. Et ces algorithmes qui peuvent être biaisés ont aussi un pouvoir prédictif, le pouvoir de prévoir un comportement. Et par exemple, dans le cas des autorités locales ou des gouvernements capables et sont utilisés pour allouer des ressources et l'on prend des décisions politiques basées sur des données qui ne sont pas neutres, qui sont biaisées et basées sur des millénaires de non-égalité des chances. Donc la première question ici, c'est de reconnaître que le mantra que l'on suit depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est-à-dire le mantra des données, les données nous donnent toutes les meilleures opportunités, les données, il faut suivre les données, les données. Les données, c'est important, mais les données ne peuvent pas être prises et utilisées de façon non critiquée. La donnée n'est qu'un cliché de la société à un moment X. Si on prend les données d'une façon non critique, on ne critique pas, on alimente des machines qui prennent des décisions pour nous demain, sur nous, et nous déléguons au passé la possibilité de faire des décisions sur notre avenir. Et ceci n'est pas quelque chose que devrait faire une politique progressiste. Même les collectes, les recueils de données, ce n'est jamais un exercice neutre. Collecter des données sur des individus, ça veut dire que vous élevez quelqu'un, vous l'installez dans une base de données et vous décidez que cette personne est dans la base et une autre personne n'y est pas. Ce qui veut dire
collecter davantage de données dans des zones plus pauvres va indiquer, par exemple, que le taux de criminalité est plus élevé dans ces zones, non pas parce qu'il y a davantage de criminalité, mais parce que il y a plus de surveillance et de collecte de données là-dessus, là. Pourquoi dis-je cela? Parce que le premier point qui est très important, c'est de souligner la façon dont nous voulons modeler l'avenir des données de l'IA. Et ceci doit être ancré dans ce dont nous pensons qu'est la société. Donc, codant le passé en avenir ne devrait pas être l'ambition de ceux qui veulent un meilleur avenir que le passé dont on vient. Ça, c'était ma première chose à dire. Ensuite, il n'y a pas seulement des individus qui se retrouvent éjectés de systèmes de services, mais il y a aussi des groupes de personnes concernées. Alors, je ne parle pas d'un groupe statique, je dis d'un groupe en fonction des circonstances. Voilà un exemple. Nous savons qu'en ligne, les publicités pour des emplois moins bien payés sont souvent recherchées par des femmes. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, traditionnellement, les femmes gagnent moins depuis toujours que les hommes. Nous savons que pour maximiser l'efficacité des gens qui cliquent sur une pub, cette publicité doit être couronnée de succès auprès d'un segment de la population X. Ce qui veut dire que si je suis une entreprise et je vends des produits ménagers ou je vends des éléments pour bébés, je vais fournir ces publicités à des femmes parce que traditionnellement, c'est les femmes qui font le ménage et s'occupent davantage des enfants que les hommes. Et ce faisant, je perpétue les stéréotypes. Et en perpétuant les stéréotypes, je le rends plus subtil, plus difficile à... On est plus difficile de s'y opposer et d'y résister. Et alors, c'est l'escalade, ça vient des préjugés et ça devient plus grave et plus lourd. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est que nous devons vraiment ancrer notre analyse et notre compréhension de ce phénomène dans les valeurs, le moteur individuel ou collectif, vous ici comme groupe politique. L'autre question qui se pose ici, c'est d'avoir tout à fait à l'esprit que si nous avons un esprit critique par rapport et que nous connaissons le risque potentiel de l'outil, ce n'est pas qu'on est critique par rapport à la technologie, c'est simplement parce qu'on regarde exactement ce que fait la technologie parce qu'on veut qu'elle bénéficie à tous, notamment dans une situation telle qu'on la connaît où le dividende du numérique ont été distribués de façon parfaitement inégale ces dernières 10 années et plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Avoir plus de femmes en technologie, c'est très important, mais c'est insuffisant. Et je serais très préoccupée si on ne se concentrait que sur la présence des femmes dans le secteur technologie. C'est crucial, on doit y arriver. Et j'ai fondé un groupe de réseau de femmes internationales qui travaillent dans l'IA. Se concentrer sur les femmes dans la technologie, c'est une bonne chose. Mais les femmes en technologie, c'est lié à des questions qui sont bien plus larges que cela. Dans les années 40, coder, c'était un travail encodé, c'était un travail de femme, c'était un travail de secrétaire. C'était considéré comme du tricot. Donc les femmes, automatiquement, étaient vues comme plus aptes à faire de l'encodage. Et tout a changé lorsque, dans les années 60 et 70, être codeur ou encodeur, c'était cool, parce que les données sont devenues
ont obtenu une puissance économique. Alors, au lieu que ce soit des femmes qui encodaient, les images liées aux données à l'encodage et la IA, c'était une image masculine. Masculine, beauté. Donc, les femmes en technologie reflètent des choses beaucoup plus larges que cela. Donc, il nous faut plus de femmes dans les secteurs tech. Ça, c'est évidemment très, très important. Et nous ne pouvons pas attendre la prochaine génération. Il faut entrer dans la technologie. Il faut que les femmes, par exemple, qui reviennent après le congé de maternité, y entrent. Il faut organiser des organisations, comme beaucoup le fassent, pour garantir que nous reformions les femmes, les recyclions. On ne peut pas attendre 25 ans pour la prochaine génération qui sortira des écoles, des jardins d'enfants. Et ça ne va pas enrayer le phénomène, parce que l'IA, c'est beaucoup plus que de la technologie. L'IA, c'est le pouvoir de remodeler la façon dont on vit, pas seulement en Europe, mais au plan global, mondial. L'IA, c'est vraiment une course contre la montre, et vous le saurez parfaitement, mieux que moi. C'est pourquoi on prévoit un gros paquet sur la souveraineté dans tous les domaines. Donc, ce qui est très, très important pour les femmes, et d'un point de vue de la perspective des genres, c'est de savoir comment il peut y avoir plus de femmes dans le domaine politique, dans ces politiques, dans la conception des normes, des règles, de tout ce qui a trait à l'IA. Et puis, des femmes dans les conseils d'administration, des femmes dans les processus décisionnels sur la façon dont on va utiliser et pourquoi on va utiliser l'IA. Pour le moment, il y a un acte européen, législation européenne sur l'IA. Elle est en cours de discussion, cette législation. Et il y a des façons, dans la façon dont on veut réguler au Parlement européen l'IA, il y a des questions qu'il faut aborder du point de vue de la perspective des genres. La première question ici, c'est la définition même de l'IA. J'ai franchement peur, parce que l'idée de réduire l'IA à l'apprentissage par machine, ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que pour les femmes, il y a tellement de systèmes IA que nous utilisons qui ne tomberont pas sous le coup de ces définitions. Et ce serait dramatique pour nos vies. Ensuite, la deuxième question. Nous abordons en Europe. C'est très bien, comme on l'a fait avec le règlement sur la protection générale des données. Nous sommes leaders dans le domaine et je suis fière d'être dans l'Union européenne avec ce règlement RGPD qui est vraiment un règlement phare et beaucoup de pays le suivent. L'acte européen sur l'intelligence artificielle a le potentiel d'être leader aussi et donc d'aider à mouler toutes les normes et les textes sur l'IA à une époque où l'on exploite l'IA pour beaucoup de choses bonnes, mais qui peut aussi faire du mal, beaucoup de mal. Dans l'acte IA, on parle d'évaluation de la conformité pour l'IA à haut risque. Alors, cette définition de l'IA à haut risque, est-ce qu'elle a été prouvée du point de vue des genres ? L'idée que l'évaluation de la conformité, par exemple, soit auto-évaluée, par exemple, des questions sur le biais, des questions sur la discrimination dans un système. Il doit y avoir une évaluation de l'organisation. Un processus doit être suivi. Alors, il est bon qu'un processus soit suivi et que la diligence raisonnée et raisonnable soit essentielle. Mais il faut plus pour sauvegarder les femmes, les minorités, à l'âge de l'IA. Est-ce qu'il nous faut quelque chose qui soit plus fiable ? Est-ce qu'il faut quelque chose
qui ne soit pas laissé entre les mains des entreprises qui vont s'auto-évaluer, mais où l'on sera redevable devant quelqu'un. Oui, on nous dit oui, avec l'intelligence artificielle, il faut simplement qu'il y ait un humain qui surveille quelque part quelque chose. Et c'est là que je veux voir des femmes. Eh bien, bon, moi, je ne fais pas forcément confiance à l'humain qui est dans le système. Ça ne va pas être la pierre philosophale pour protéger, parce que ça va dépendre comment l'on va utiliser cette façon de faire. Et ensuite, les moyens de recours. Qu'est-ce qui se passe quand nous, femmes, nous sommes discriminées par un système IA? Quel est le recours que nous avons? Comment encourageons une participation des femmes civiques et fortes si nous n'avons pas de recours pour les femmes qui ont fait l'objet de discrimination à cause d'un ou par un système IA? Alors, dans cette législation IA, nous avons la possibilité de voir si d'un point de vue des genres, c'est ce qui est prévu est suffisant. Est-ce que c'est assez? Et je pense qu'il est très, très important de se poser ces questions. Maintenant, je vais conclure sur une chose. C'est le fait que l'IA est très polarisée, souvent. D'un côté, dès qu'on commence à exprimer des critiques sur l'IA, on vous dit que vous êtes contre l'innovation, que vous voulez arrêter votre pays et vous êtes contre la croissance, alors il faut voir la Chine, ils font beaucoup plus. On vit dans un monde international, globalisé, avec toutes les difficultés, on les voit aujourd'hui, c'est sûr. Mais il y a un élément qui est un élément de confiance dont on parle beaucoup. Pour le moment, on vit dans une grosse méfiance du consommateur par rapport à Big Tech, par rapport aux technologies. Et l'occasion est à saisir. Occasion de garantir que l'on va créer de la confiance après tout ce qu'on a vu ces dernières années sur la mauvaise utilisation des données et des technologies. Et lorsque l'on entend dire « Ah oui, mais les gens s'en fichent, de toute façon, ils utilisent les plateformes quand même », mais ils n'ont pas d'alternative. Donc si nous voulons être un espace fleurissant avec des start-up, avec des gros groupes, des petites entreprises, avec des citoyens et des utilisateurs qui font confiance. Et les femmes, on voit au chapitre, et pas un petit peu. Nous parlons d'une perspective, c'est-à-dire la perspective d'une grosse partie de notre population. Et avoir la confiance d'une grosse partie de la population, c'est l'enjeu. Il faut donc avoir le courage de dire, eh bien, que faut-il faire pour obtenir cette confiance? Qu'est-ce que c'est que la transparence utile dans l'IA? C'est quoi les moyens de recours que l'on offre aux citoyens? Comment garantir que cette technologie va vraiment bénéficier aux femmes et ne va pas laisser les femmes sur le bord de la route? Merci beaucoup de cette intervention. Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous a des questions. Je n'en vois pas, en tout cas. Je ne sais pas si vous, Maria, vous voulez poser une question. Bon. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Anna. Alors, nous, le groupe SED et moi-même, travaillons d'arrache-pied pour ne pas réduire le concept d'intelligence artificielle, pour ne pas qu'il soit réducteur. Et nous sommes quelques-uns à lutter pour cela. Nous tentons de mieux définir et de mieux façonner le concept lui-même, l'acception
lui-même de celui d'intelligence artificielle pour qu'il se soit un parapluie qui regroupe différentes questions et différents aspects. Vous avez parlé de réglementation et de normes pour voir si l'Union européenne tente de les prendre en compte. J'aimerais vous poser une question concernant la directive conciliation vie privée-vie professionnelle. Quel est votre avis dans ce domaine ? Lorsque nous parlons des technologies de l'information et de la communication, de l'intelligence artificielle, qu'en est-il de la conciliation vie privée-vie professionnelle ? En réalité, nous parlons seulement de travail. Quels étaient et quels sont les effets dans une perspective de genre de ce télétravail, car il s'agissait de télétravail qui était très présent lors de cette période de crise sanitaire. Pensez-vous que l'Union européenne en fait assez ou qu'il faudrait en faire davantage pour améliorer l'équilibre vie privée et vie professionnelle pour que les femmes puissent embrasser des carrières numérique ou des technologies aux technologies d'information et de la communication des TIC. Alors, il y a aussi la directive des femmes dans les conseils d'administration. Pensez-vous que nous soyons sur les bons rails eu égard à cette directive? Je crois qu'il faut que nous tirions profit de ce débat pour améliorer notre approche de cette directive. Je sais que pour l'heure, tout est susceptible d'être amélioré, mais pensez-vous que tout cela soit suffisant pour adopter cette directive? Bon, j'avais coupé malencontreusement mon micro. Merci. Alors, cette question de la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle est un sujet d'importance et d'une actualité brûlante durant ces deux dernières années. Il s'agit de l'un de ces grands paradoxes si propres à la technologie. Si vous y songez, lorsque l'on parle de technologie, là, nous pouvons aujourd'hui faire tout en ligne. Je suis en réunion avec vous. Et je peux en même temps commander à dîner en ligne et puis organiser l'anniversaire de ma fille toujours en ligne. Est-ce que cela nous a simplifié la vie en réalité? Ou est-ce que la technologie a exercé encore davantage de pression, a mis davantage de fardeau sur les épaules des femmes? C'est la question que nous devons nous poser. Cette technologie qui n'est pas neutre, la technologie ne peut pas être neutre. Est-ce que cette technologie a rendu la vie des femmes plus simple? Est-ce qu'elle elle a simplifié la tâche? Je crois que nous pourrions dire que non, et le fait que nous a vendu une vision, par exemple, que c'est génial de travailler de son domicile, de télétravailler, d'être indépendant. Peut-être pourrions-nous appréhender cela en analysant le véritable impact de tout cela sur les femmes, notamment d'un point de vue transversale. Alors, pour ce qui concerne l'impact sur les femmes universitaires, eh bien, leur intérêt a véritablement chuté de manière spectaculaire en raison de leur travail et de leur domicile. Alors, les experts dans différents pays se penchent sur le droit à la déconnexion, c'est-à-dire qu'on est en droit de se déconnecter de son travail. C'est un droit qui nous revient. C'est un droit légitime et je crois, par ailleurs, que travailler de son domicile, travailler à distance, a contribué à aider les femmes. Cela est
Et donc, prouver scientifiquement, ça peut être anecdotique, si par exemple des femmes qui ont des responsabilités de soins ou des femmes qui n'ont jamais pu bénéficier de certains aspects de leur travail sont plus actives sur leur lieu de travail, paradoxalement. Donc, c'est une situation très mitigée. J'aimerais pouvoir examiner cela de manière bien plus approfondie que nous n'avons pu le faire jusqu'à présent. Alors, il y a un élément qui exerce énormément de pression sur les hommes et les femmes au travail, c'est l'utilisation des technologies de surveillance sur le lieu du travail. Ce qui est devenu très intrusif, notamment pendant la pandémie. Et il y a beaucoup de travail qui devrait être effectué à cet égard. Parfois, pendant les deux dernières années, nous avons rencontré ces technologies, non seulement en raison de la transparence qui les entoure, mais grâce à ces hommes, ces femmes et hommes courageux dans les entreprises qui ont bien voulu mettre en avant ce qui se passait. Je crois qu'il y a toute une palette de questions qu'il nous faut aborder et examiner dans ce domaine. Et ce qui est important pour les femmes dans STEM, et nous avons beaucoup entendu parler de questions culturelles, la question du temps est très importante. Et pour les conseils d'administration, je crois que c'est un travail intéressant qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est une question de représentation, de représentativité, cela a été dit. Et c'est aussi important d'avoir des exemples à suivre, des exemples féminins à suivre pour la génération montante. Notamment maintenant que nous avons décidé de la destination de l'intelligence artificielle, ce à quoi on pourrait l'utiliser, non seulement parce que cela a l'air très bien et se présente bien sur les marchés, mais parce qu'elle peut peser pour changer la vie des hommes et des femmes et de prendre des décisions intéressantes à cet égard. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Johanna, de votre participation. J'attends avec impatience de pouvoir travailler avec vous dans d'autres réunions ou séminaires du groupe socialiste. Merci, je vais donner la parole à Maria pour les remarques de conclusion. Merci, merci beaucoup. Merci. D'abord, je ne manque pas de remercier tous les intervenants qui nous sont rejoints aujourd'hui pour débattre d'une question tellement importante. Je remercie également notre secrétariat pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté pendant nos travaux et aussi dans l'organisation de ce séminaire. Comme cela a été dit, c'est le dernier séminaire de la série organisé par le groupe des socialistes et démocrates dans le cadre des travaux du comité spécial sur l'intelligence artificielle. Alors, concernant l'acquisition de compétences en matière de technologie et d'intelligence artificielle, cela a fait ses preuves, mais c'était important pour ce qui est du fossé homme-femme, de l'écart de genre, eh bien, il est important de l'avoir associé à ce travail. Comme l'a dit Irache, la présidente de notre groupe, il est important d'associer les différences de genre, les inégalités de genre dans le domaine de l'intelligence artificielle. Madame Shealey a dit que les algorithmes peuvent être biaisés pour les femmes qui travaillent sur les plateformes. Ensuite, on a parlé de l'importance des données désagrégées dans les algorithmes qui défavorisent les femmes. Et Sophia Teixeira a dit que ces algorithmes renforcent les préjugés sur les filles et les femmes et qui pèsent sur leur choix professionnel ultérieur. Enfin, il m'en a parlé
des données qui pèsent sur les décisions. Les données ne sont pas neutres, la technologie n'est pas neutre et peuvent perpétuer les stéréotypes. Il nous faut la technologie pour un monde plus équilibré et non pas le contraire. Cela étant dit, je voudrais finir sur une note positive et parler des éléments positifs que l'IA peut apporter aux femmes. Les technologies d'intelligence artificielle peuvent aider à comprendre des problèmes complexes qui affectent les femmes, notamment la violence cybernétique et le discours d'incitation à la haine en ligne. Cela peut influencer certaines plateformes, certains réseaux sociaux tels que Twitter. Alors cela peut influencer l'utilisation de la technologie de la femme comme l'utilisation de blogs et de fake news. Eh bien, les décideurs, s'ils ont tous ces instruments en main, peuvent prendre des solutions efficaces pour traiter de ces problèmes. Et puis, en deuxième lieu, l'IA peut remplacer les humains dans des situations où il y a des biais conscients ou inconscients à l'encontre de certains groupes tels que les femmes. Par exemple, l'IA peut soutenir les entreprises pour gérer les demandes en ligne de candidats qui postulent à un poste. Et notamment, l'IA peut aider des femmes en âge de porter des enfants. Et il faudrait que nous fassions en sorte que nos décisions sont fondées sur des critères objectifs et prédéfinis et partant réduire le potentiel des biais à l'encontre des femmes. Afin de faire en sorte que l'IA soit utilisée à l'avantage des femmes, comme Irache l'a dit également, il nous faut garantir que les femmes soient représentées à toutes les étapes du développement des algorithmes. Cela ne suffit pas, mais c'est important. Dans le monde entier, seuls 22% des professionnels de l'intelligence artificielle sont des femmes. Il nous faut œuvrer, améliorer ce pourcentage de représentation. Par exemple, au Portugal, nous avons un projet, c'est-à-dire nommé ingénieurs et ingénieureux, qui encourage les femmes à embrasser cette carrière. Il nous faut faire en sorte de mettre en œuvre des initiatives similaires dans nos États membres. En clôture, je voudrais remercier nos intervenantes, le public, les personnes qui nous suivent en ligne, et tous les collaborateurs qui ont contribué à organiser cet événement, ce séminaire. La révolution IA arrive à grands pas. Il ne faudrait pas en perdre de vue la moitié de la population. Notre groupe politique se bat pour un modèle démocratique de l'IA qui contribue à l'instauration de la démocratie, de l'égalité, notamment celle entre hommes et femmes. Je vous remercie.